Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, que les louanges de Dieu soient sur le prophète ainsi que sur ses compagnons. Au nom de la faculté des études islamiques, l'université de Qatar, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie de votre grande et intense participation. C'est effectivement la preuve de l'intérêt que vous portez aux études islamiques ici en Europe. C'est une grande source de fierté et de joie pour nous. Je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de cette conférence, le Centre international de législation islamique et d'éthique. Comme vous le savez, le CILE, depuis sa création et sous l'égide et l'orientation de Tariq Ramadan, eh bien, il a bénéficié de la grande expérience de ses leaders et des personnes qui le nourrissent en idées. Pour vous donner une petite idée des activités de la faculté des études islamiques de Qatar, eh bien d'abord, on commencera par son intitulé. Ça s'appelle la Fondation de Qatar. Il s'agit d'une grande institution d'enseignement qui comprend plusieurs facultés dans plusieurs pays. Nous avons 5 universités américaines. Ça va de la médecine, de l'ingénierie, du droit, du management, de l'économie. Nous avons aussi une université en Grande-Bretagne et une université française, plus une université arabe qui s'appelle l'université de Hamad Ben Khalifa et qui a une faculté spécialisée dans les études islamiques. Cette université, Hamad Ben Khalifa, vient d'instituer récemment une spécialité pour les sciences et l'ingénierie, plus un institut pour la traduction. Pour ce qui est de la faculté des études islamiques, eh bien, cette faculté a un centre qui est le nôtre, le CILE, ainsi qu'un centre de recherche et de sciences politiques, donc des centres multidisciplinaires qui accueillent des intervenants de renommée internationale. La faculté des études islamiques est une faculté de niveau du deuxième cycle. Donc nous avons des disciplines comme la religion comparée, la politique publique, les sociétés musulmanes, l'architecture musulmane. Branche où nous cherchons, nous visons l'excellence. Nous souhaitons pour cela être présents de partout et aussi attirer les leaders mondiaux en matière des différentes industries, des spécialités, des différentes disciplines. Notre faculté a organisé plusieurs activités, plusieurs conférences. Dans une semaine, nous organiserons la 10e conférence sur l'économie et le financement, ou la finance islamique. Plus de 120 papiers y seront présentés. Les intervenants viennent de plusieurs pays. La plupart d'entre eux proviennent ou viennent d'Algérie. C'est effectivement une grande source de fierté dans la mesure où l'Algérie est entrée dans le monde de la finance islamique très récemment. Donc pour ne pas être long et pour entamer les travaux de cette conférence, je vous invite à être interactif afin que l'intérêt et le bénéfice se généralise. Le but, eh bien, ça n'est pas de vous livrer des messages depuis cette chaire et c'est tout. Il faut que l'on s'engage dans une véritable interaction. Car les sujets que l'on abordera sont des
sujet qui attire de la critique. Ce sont quatre thèmes que nous allons aborder et donc il faudra être interactif. Donc merci encore une fois au nom de la Fondation du Qatar et que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur vous.